Sur la les jeux fais des tours, des flux d'indas, les retours, les comptes ils font le tour, et la tête cramée dans le four, c'est la merde, tu le sais, ne pose plus de questions. Manager a confiance, et moi je suis confiant. Ma putain de vie élevée à la dure et la sorte de ma vie. Mon temps et ma bouche c'est la putain de vision. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis en direct là avec Lizzy Neg. Ça va ou quoi mon gars? On est là tranquille et toi mon gars? Ouais, on est là, écoute, on est où exactement là déjà? Là on est au Bergerie. On est d'un côté de Raveil. Là-bas c'est le côté Gineux. On a vu sur scène. Ouais, on va filmer un peu le checks. Ouais. C'est comment? Tu peux te présenter un petit peu pour commencer? Moi c'est Lizzy Neg, rappeur de BGR. Bergerie, venu sur scène, et voilà, hein. Ça bouge pas. Hein. T'as commencé comment et quand le rap, toi? Moi, j'ai commencé, j'avais 13 ans. Après, vas-y, le rap, je connais pas trop au sérieux, t'as vu. Au début, moi, j'habitais pas trop ici, tu vois, j'habitais à la Croix-Blanche, tu vois. C'est là-bas où j'ai commencé. Après, j'ai vraiment commencé à faire des sons en 2016. Après, quand j'ai commencé vraiment à écrire, c'était là, en 2017. Et après, là depuis j'enchaîne. Hein. Peut-être que je fais pas trop de clips, t'as eu, mais j'enchaîne les sons là, tu vois. On est trop là en ce moment. Et justement, les clips, il y en a quelques-uns sur YouTube un petit peu. Ouais, on t'a vu clipper avec Nino déjà. Ouais, j'en ai deux. J'ai fait un clip avec Nino. Là, j'en ai fait deux. Là, je vais en sortir bientôt là. Peut-être que là, pour l'instant, je me suis pas trop montré, t'as eu. Mais là, je vais revenir là, bientôt là. Je vais enchaîner de plus en plus. Ouais, puis en ce moment, t'es plus sur les freestyles Insta et tout. Ouais, en fait, ma promotion, je la fais plus sur Insta, tu vois. Parce que je trouve que Insta, c'est un réseau qui est plus. On va dire qui est plus ouvert, tu vois, que Snap, ou des trucs comme ça. C'est-à-dire là, je suis plus sur Insta. Et après, vas-y, hein, on verra. Après, ça prend de l'engouement, d'abord, un peu là. Enfin, ça commence un peu, je commence à me faire opérer un peu par-ci par-là. Et après, on verra. Ouais, puis c'est comment? Il y a d'autres rappeurs ici dans le quartier? Ouais, il y en a d'autres, il y a les petits 210, il y a GNR, Lesti, Valentaz, il y en a beaucoup, hein. On est trop ici à rapper en fait. Après, il y en a encore qui rappent, mais ils se montrent pas trop, tu vois, ils font pas de clips, tout ça, mais sinon on est trop, voilà, on va dire sur Vigneux, on va dire on est le quartier où il y a plus de rappeurs qui rappent, tu vois, on ouais. Va dire qui se montrent le plus, on va dire c'est nous qui se démarquent le plus ici, tu vois, et ouais, vas-y, après, c'est comme ça, hein. Et peut-être que quand tu auras remis des clips et tout, tu auras des projets peut-être en tête? Pour l'instant, j'ai zéro projet. Mais avec tous les sons que j'ai fait là, je peux faire un projet, mais j'ai zéro projet en tête. Je compte sortir petit à petit des freestyles, tu vois. Et après, on verra hein, par la suite. Si ça prend de l'engouement, peut-être on va essayer de faire un truc. Hein. Ouais, et puis au niveau des studios, tout ça, il y en a dans le coin ou quoi? Ouais, moi, il y en a un en haut là, vers Lidl, tout ça, en haut. Moi je pose à Avenue-sur-Seine, tu vois. Un petit studio à Avenue-sur-Seine, ils me font bien mes sons, tu vois. Après, moi je connais pas trop les studios qui sont à côté, hein, parce que je bouge pas trop. Je suis plus à Avenue, tu vois, je bouge pas trop ailleurs. À Avenue, ils font bien mes sons. Ils savent comment me faire mes trucs, tu vois, mes mises à plat, ça. Après, c'est bon, hein. Le travail des joueurs. Hein. Ouais, puis comme tu m'as dit que c'est ici où il y a le plus de rappeurs, un peu là, dans le secteur. Parce que peut-être on va devoir faire des featuring bientôt. J'en ai déjà fait, c'est que pour l'instant ils sont pas encore sortis, tu vois. J'en ai déjà fait. Et j'ai fait avec. Lesti? Ouais, j'ai fait avec Lesti et Valentaz. Après, il y en a un autre encore, un grand autre quartier qui s'appelle de Paname, ça. Et là, tu vois, ils sont pas encore sortis, tu vois. Pour l'instant, on prend le temps, on n'est pas trop pressé, hein. En vrai de vrai. Ouais, vrai, je vois. On est pas trop pressé. Hein. Sinon, la dernière question, là, je l'ai dit à tout le monde. Est-ce que t'as une équipe de foot préférée? Et moi, je pourrais dire, je suis pas trop foot. Ouais, je suis pas trop foot, mais je regarde. Après, l'équipe que je soutiens, c'est PSG, tu vois. Sinon, vrai de vrai, moi, je suis pas trop dans le foot. Hein. Tu vas me poser des questions sur le foot, je vais rien savoir du tout, voilà. Ah ouais, je vais rien savoir du tout. Et vous, les gars, c'est quoi votre équipe? PSG. Je connais pas le foot. Ok, bien vu. En tout cas, t'as des réseaux sociaux où on peut te suivre? Ouais. Snap, The Blacklist, si tu sais pas comment l'écrire. Ça va être écrit, de toute façon. Ouais, ça va être écrit. Insta Lizzy Neg, Twitter Lizzy Neg, voilà. Ok, ça marche. En tout cas, merci à toi mon ref, ça fait plaisir. On est là. Force, on est ensemble pour la suite. Hein. Vas-y. Allez. Vas-y.
Eli Grec de la BGR. Tu parles sur moi, j'en ai rien à faire. Cette fois-ci c'est le niveau qui monte. Et beaucoup de putes que j'ai dû éponger. Je passe mon temps à cogiter, pas avant et me corriger. Je suis le maître de mon destin. Et nique sa mère, je suis toujours serein.